À l'écart des routes touristiques accrochées à la colline noyée dans le maquis, ce village au passage sous voûte et aux ruelles fleuries, dallées de schiste domine la mer. C'est Canel. Son origine date de l'époque romaine. Les deux versants du cap ne se ressemblent pas. Dans la partie orientale, les vallées débouchent en douceur dans la mer. Tandis qu'à l'ouest, la montagne tombe violemment dans la Méditerranée, décrivant une série d'apics vertigineux et de nids d'aigles où s'accrochent courageusement des grappes de maisons. Nonza est construit sur un éperon rocheux. Ce village domine la mer. La tour de Nonza, édifiée à 167 mètres d'altitude, domine le village. Cette tour a été construite en 1760 sur l'emplacement du château des Abogari de Gentille, détruit par les Génois en 1487. Le Cap Corse est aussi un pays de vignerons. Le vignoble de Patrimonio n'a plus l'importance qu'il détenait au XVIIIe siècle, mais il produit toujours des vins très divers. Nous sommes au-dessus de Patrimonio, à la Sierra di Pigno, à 960 mètres d'altitude, afin de découvrir un panorama découvrant les côtes est et ouest de la péninsule. Même à cette altitude, les vaches sont présentes.
Une merveilleuse baie encadrée par les montagnes du Cap Corse et du Nebbio, c'est le golfe de Saint-Florent. Isolée sur un promontoire, l'église Saint-Michel de Murato, ce bel édifice roman du XIIe siècle, est célèbre pour la bichromie de ses murs, traitée avec beaucoup de fantaisie, et par le clocher-porche qui flanque la façade occidentale. Des matériaux faciles à travailler ont donné libre cours à de nombreux décors sculptés, tels que celle-ci représentant Ève succombant au serpent, la main droite cachant son sexe. Tout de même, on a sa pudeur. Nous quittons le Nebbio direction Corte en nous arrêtant à Ponte Leccia, au lieu historique de la défaite de Pascal Paoli, qui avait en 1755 pris la tête de l'insurrection corse et donna à l'île son emblème à tête de mort. Cette défaite marqua le début de la Corse française le 8 mai 1769. Un autre petit détour vers Castiglione, petit village blotti au pied d'impressionnantes aiguilles. Reprenons la route vers Corte. Perché sur un piton rocheux au-dessus de Corte, la citadelle domine toute la région. Drôle de destin que celui de cette citadelle construite à la fin du XVe siècle. Remaniée à diverses époques, occupée en 1962 par la Légion étrangère jusqu'en 1983 et transformée aujourd'hui en espace artistique et culturel. L'église de l'Annonciation est, avec la citadelle, l'un des plus vieux bâtiments de la ville. Édifiée en 1450, elle fut agrandie et remaniée au XVIIe siècle. La maison Gaffori porte encore les traces d'un mitraillage de la garnison génoise en septembre 1745. Sur la place, le bronze de Gaffori, érigé en 1910, est posé sur un socle orné de bas-reliefs, illustrant le courage du général et de son épouse Faustina. Ville de cœur de Pascal Paoli, qui établit pendant 14 ans le siège du gouvernement de la Corse et lui donna une université.
repartons de Corté en direction de Cargès, sur la côte ouest de l'île. Mais auparavant, un regard sur un très beau pont génois à trois arches, dit pont du diable. Arrêt à Boccagnano pour sa fontaine en galets. Et direction la cascade du voile de la mariée. Un beau point de vue au col de Scaleda, c'est marqué dessus, enfin ce qu'il en reste. Direction les gorges de Prunelli. Formé par son torrent qui a creusé de magnifiques gorges, le Prunelli est une région à deux visages. Celui de la haute vallée montagneuse à l'est et celui des douces collines de la basse vallée qui se prolonge jusqu'à Ajaccio. Un barrage édifié en 1956 produit 87 millions de kilowattheures. Le pont génois de Zipitoli est un des plus vieux de Corse. Nous arrivons sur la côte ouest en vue du golfe de Sagone.